Bonjour à Bonjour à tous, tous. comme vous le Comme vous savez, le nous savez, nous faisons faisons un YouTube un Live YouTube avec Live les avec les professionnels de professionnels de santé. santé. Nous Nous sommes sommes à votre disposition avec nos collègues de l'assurance maladie, de la Directe et de l'Éducation nationale pour pouvoir privilégier un temps de débat. Et on va bien évidemment commencer par faire un point épidémique, hein, puisque comme nous sommes dans cette crise, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Donc la situation dans la Marne est relativement dégradée dans la mesure où on constate un certain nombre d'indicateurs qui sont mauvais, n'ayons pas peur de le dire, puisque sur le taux d'incidence, on enregistre 67,8 cas sur 100 000 habitants qui est en hausse dans la Marne, là où le seuil critique est fixé à 50 pour 100 000 habitants. Le pourcentage de positivité des tests. Normalement, on estime qu'il est dans de bonnes conditions dès lors qu'il est inférieur à 5%. On est à 5,3% dans la Marne. Et bien évidemment, ce qui nous tire vers le haut, c'est la situation particulière de Reims, où là, on a des taux d'incidence qui excèdent largement les 100 pour 100 000 habitants. Ajoutons à cela que depuis quelques semaines, on voit à nouveau réapparaître une augmentation dans le nombre de passages en réanimation. Au moment où on vous parle, on en est à 8 pour l'ensemble du système hospitalier. Et donc tout ceci plaide en faveur d'une organisation forte, notamment pour prévenir les risques de poursuite de contamination, avec un point particulier sur les jeunes, puisque on a constaté notamment sur Reims que le public étudiant était directement concerné par ce taux d'incidence et la tranche des 20-29 ans. Donc l'objectif chez ces jeunes de moins de 30 ans est bien évidemment de réduire autant que faire se peut la poursuite de la contamination. Et donc nous avons mobiliser nos réseaux pour que on puisse faire un maximum, engager un maximum d'actions. Donc sont concernés bien évidemment la préfecture, l'éducation nationale, les missions locales, les services communaux d'hygiène et de santé, les points accueil et coûts de jeunes, tous les acteurs des contrats locaux de santé, les campagnes de communication régionale et départementale à destination des jeunes. L'idée étant aussi de coordonner les missions locales, les éducatrices en santé, de communiquer également sur les tests, en capitalisant notamment sur ce qui a été mis en œuvre à partir des clusters de l'ENSAM et de Sciences Po, et de mobiliser les acteurs départementaux et les vecteurs qui travaillent habituellement avec les jeunes. On pense à Unicité, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, et tout ce qui concerne les centres socio-culturels, les CCAS, les maisons de quartier, en lien avec les communes. Voilà, je cède la parole à Monsieur Rochdy pour une présentation sur éducation nationale et Covid. Merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, pour l'éducation nationale, on vous projette les chiffres statistiques qui datent d'il y a 2 jours, donc je les corrige un tout petit peu. C'est 72 élèves aujourd'hui qui sont concernés par une situation de Covid, et puis non pas 19, mais 20 adultes. Donc, et en dessous, vous trouverez les taux d'incidence. Là encore, ils ont un tout petit peu évolué. Ils sont redescendus en dessous de 50 pour les collégiens, et ils stagnent aujourd'hui sur un plateau au niveau des lycéens. Donc, notre objectif, c'est effectivement d'assurer la sécurité de tous les élèves et de tous les usagers, à un titre ou à un autre de l'école, par la mobilisation de tous et notamment de notre service de santé. Donc, on s'est appuyé, évidemment, pour établir le protocole au niveau national sur l'avis, du Haut Conseil de santé du 17 septembre, qui nous rappelle que, voilà, que les enfants ne participent ou participent en tout cas peu à la diffusion du virus. Et puis, que lorsque l'on porte un masque de catégorie 1, on est correctement protégé. Donc, on a eu un protocole interministériel de signé, dont les objectifs sont évidemment d'assurer un retour à l'école de tous les enfants, mais dans des conditions sanitaires tout à fait sécures. Voilà, parce que la santé des élèves passe aussi par leur santé, j'ai envie de dire, apprenante. Voilà.
Dans nos écoles, évidemment, le protocole sanitaire s'applique de manière stricte. Vous avez là quelques affiches qui sont publiées et qu'on peut trouver au hasard des visites dans les écoles, en insistant lourdement sur le respect strict des gestes barrières et notamment le lavage des mains. C'est une opération qui prend un peu de temps à chaque fois, mais sur laquelle nous sommes extrêmement vigilants. Et on demande évidemment aux parents de jouer aussi le rôle de sécurité en ne mettant pas un enfant à l'école qui aurait 38 de température ou qui présenterait des symptômes. La protection donc se fait évidemment beaucoup par après le contact tracing qui est fait en lien avec nos collègues de l'ARS et de la CPAM, mais je pense que nos collègues vont en parler après, par les mesures d'isolement sur des septaines. Et éventuellement par une réaction proportionnée au contexte local, ce qui peut nous amener parfois à faire des batteries de tests sur un établissement scolaire pour voir comment on en est sur notre situation. Ensuite, on a évidemment défini un protocole diffusé à l'ensemble des écoles, vous le trouvez présent à l'écran. Alors il est déjà ancien puisqu'on va même faire de faire un petit peu évoluer pour la semaine prochaine puisqu'on a reçu de nouvelles instructions du national notamment sur la partie traitement une fois qu'on a identifié les contacts à risque et donc ce document est diffusé voilà dans toutes nos auprès de tous les directeurs et tous les chefs d'établissement du public comme du privé et qui permettent de prendre la bonne décision et surtout d'avoir une réactivité dans la chaîne de décision. Et notamment de s'assurer aussi que tous les élèves qui doivent être en éviction scolaire le soient. Et ils reviennent à l'issue du délai de 7 jours sur leur école. Donc vous trouvez là à l'écran les différentes situations qu'on peut rencontrer sur le plan médical. Donc les cas où on peut être amené à solliciter de la famille pour qu'elle aille voir son médecin traitant. Les mesures d'isolement et puis les conditions de retour en scolarité qui sont la présentation d'une attestation sur l'honneur attestant que évidemment on n'a plus de symptômes et puis en ayant aussi attesté qu'on a un test négatif. Et donc je le rappelle parce que je sais que c'était un sujet d'inquiétude pour certains d'entre vous, l'éducation nationale ne demande pas de certificat médical pour le retour en classe et nous avons donné des instructions très très strictes sur ce point-là à l'ensemble des structures scolaires. Notre service de santé scolaire dont je vous ai dit un mot qui est très très mobilisé sur cette opération, c'est 14 médecins scolaires, 80 infirmières qui sont coordonnées par une médecin conseillère technique, le docteur Lavaille, et puis une infirmière conseillère technique, là aussi, Madame Bouillon. Et je vous invite à aller consulter la page de référence du ministère sur le protocole sanitaire pour toute question qui pourrait vous être posée par des patients. Cette page-là, elle est constamment maintenue à jour et c'est notre référence nationale. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis Denka Avril, la responsable de l'unité départementale de la Marne, de la Direct Grand Est. Et je souhaiterais faire une présentation un peu plus ciblée sur les mesures prises pour assurer la garde d'enfants et notamment l'activité partielle, le chômage partiel dit communément. Qui a fortement été mobilisé pendant le confinement et puis après qui normalement s'est arrêté. Donc le ministère du Travail a décidé de réactiver cette possibilité pour les parents d'un placement en activité partielle, des parents contraints de garder leur enfant, mais c'est sous conditions et les conditions sont assez verrouillées. La présentation que je vous fais, c'est une présentation actuelle. Les réflexions et les annonces évoluent. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait des adaptations dans les jours à venir, mais vous en avez au moins les grands principes. Donc, déjà, on doit être dans un cadre de fermeture de crèches, écoles, collèges. On n'est pas sur les publics d'enfants, ados, de lycées et de fac. C'est le public des enfants plus à garder. Donc, il faut qu'il y ait vraiment fermeture
de la classe ou de l'établissement correspondant, ou alors que l'enfant soit réellement identifié comme un cas contact de personnes infectées avec les délais couverts qui vont avec. Et l'activité partielle ne peut être disponible que pour certaines catégories de salariés, sous réserve évidemment que l'entreprise ait une autorisation d'activité partielle, puisque c'est un préalable indispensable, et que le télétravail ne soit pas du tout possible. Donc sur les catégories de salariés, on est vraiment pour l'activité partielle pour les salariés du secteur privé. Pour d'autres publics, il y a des indemnisations particulières. Bon, pour notamment les travailleurs indépendants et les contractuels du droit public, l'activité partielle ne peut pas être mobilisée. Et puis, pour les fonctionnaires, si on ne peut pas organiser le travail à la maison, ça relève d'autorisation spéciale d'absence qui ne rentre pas dans le cadre de l'activité partielle. Pour les règles d'intervention et d'indemnisation, ne peuvent bénéficier d'activité partielle pour la garde d'enfants qu'un parent par foyer, en cas d'incapacité de télétravail des deux parents, et ceci doit être justifié. À partir du moment donné où un parent peut avoir une solution, l'activité partielle ne rentrera pas en ligne de compte. Donc, c'est un peu complexe. Ça nécessite des attestations du deuxième parent par rapport à son employeur. Des catégories également. Si, par exemple, un parent est fonctionnaire, il peut bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence. Et dans ce cas-là, le deuxième parent ne pourra pas avoir d'activité partielle. Et puis, quand on est dans le cas d'une fermeture de classe, par exemple, ou d'une situation de cas contact de l'enfant, il faut les justificatifs correspondants, des attestations que nous aurons besoin pour indemniser l'entreprise, qui va avoir un taux d'indemnisation plus faible que le salaire qu'elle va devoir verser. Et à titre d'illustration, je vous ai mis les montants, mais c'est pas forcément une question que vous vous posez. Voilà pour ma partie. Bonsoir, Philippe Hulman, directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Nous allons avec Claire Guémard vous faire une présentation qui porte sur un petit rappel du dispositif du contact tracing, ainsi que des éléments de clarification sur le sujet des arrêts de travail dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Donc c'est Claire Guémard qui va vous faire la présentation et je lui passe tout de suite la parole. Bonsoir à tous. Donc effectivement, le contact tracing a été mis en place au mois de mai lors du déconfinement. Et donc l'objectif qui est fixé à ce dispositif, c'est bien d'identifier tous les cas contacts qui sont rattachés à des personnes positives, de permettre l'isolement de tous les cas positifs et donc de tous les cas contacts, afin, et c'est bien l'objectif, de casser les chaînes de contamination. Et donc, pour ce faire, le contact tracing est mis en place et réalisé 7 jours sur 7. Et il s'articule en fait avec trois grandes étapes, trois niveaux. Le premier, c'est effectivement lorsqu'une personne est détectée positive via la réalisation d'un test RT-PCR. Donc cette détection, elle va se faire par le médecin de ville ou alors par un établissement de santé. Et donc, à ce stade, on a effectivement, au-delà de la prise en charge médicale et de l'ensemble des recommandations sanitaires, on commence à initier la recherche des cas contacts, en général déjà au niveau du foyer familial. Donc ça, c'est là où les médecins sont pleinement impliqués, puisqu'aujourd'hui, vous avez un téléservice qui est accessible dans AmeliPro, donc téléservice qui s'appelle Contact Covid, dans lequel on vous invite à mettre le nom du patient positif, et donc à commencer la recherche des cas contacts. Donc après cette première prise en charge, on a effectivement une information qui est envoyée immédiatement à l'assurance maladie, et c'est là où les plateformes interviennent pour, on va dire, deux actions. La première, on va recontacter le patient qui vient d'être détecté positif pour retracer avec lui l'ensemble des contacts qu'il a pu avoir.
Et on va donc enregistrer tout ce qu'on appelle les cas contacts. Donc, ce sont toutes les personnes qui répondent à la définition stricte du cas contact. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les personnes qu'il a croisées, mais c'est les personnes qui rentrent notamment dans la fameuse définition d'un contact à moins d'un mètre sans mesure de protection. Et évidemment, cette recherche se fait aussi sur un laps de temps qui est défini, qui est de 2 jours avant l'apparition des premiers symptômes pour les personnes symptomatiques et de 7 jours avant le résultat du test pour les personnes qui sont asymptomatiques. Donc on fait effectivement cette recherche auprès des patients positifs. Et une fois qu'on a listé tous les cas contacts, on va appeler chacune de ces personnes pour leur délivrer un certain nombre de messages. Donc le premier, bien sûr, c'est de les inviter à s'isoler. On va leur délivrer, si elles en ont besoin, un arrêt de travail, sachant que là encore, on est sur une démarche qui vise à favoriser le télétravail. On va orienter la personne pour passer donc un test, en l'orientant, si besoin, sur le site santé.fr qui permet de donner la liste des lieux de prélèvement. On va également l'inviter à aller retirer des masques en pharmacie et on va, bien sûr, si besoin, détecter d'éventuels besoins d'accompagnement social. Donc ça, c'est effectivement une étape qui a lieu dans les plateformes d'assurance maladie et dans des délais très courts, puisqu'on rappelle les patients positifs dans un délai de 4 heures après la connaissance de cette positivité par nos équipes, et on rappelle les cas contacts dans un délai de 24 heures. Ensuite, intervient ce qu'on appelle le troisième niveau pour les situations qui relèvent de cas plus spécifiques, donc toutes les situations de risque de cluster ou alors d'établissements scolaires ou d'établissements de santé, où là va intervenir l'Agence régionale de santé pour investiguer ces situations. Donc voilà dans les grandes lignes les étapes telles qu'elles se déroulent sur le contact tracing. Alors ensuite, on a effectivement souhaité partager avec vous un certain nombre d'informations actualisées sur les arrêts de travail, sachant que les informations que je vous donne sont celles qui sont connues et appliquées en date du 1er octobre, puisqu'on a des dispositifs qui ont évidemment évolué dans le temps et qui pourraient évidemment continuer à évoluer. Donc là, on a essayé de vous donner l'information en se mettant effectivement à la place du médecin pour, en fonction des patients et des assurés que vous recevez, qu'est-ce que vous êtes amené à faire selon différents cas. Donc le premier cas, ce sont les personnes vulnérables. Donc aujourd'hui, on a un décret dont je vous ai remis la date, le décret du 29 août 2020, qui fixe de manière limitative les personnes qui peuvent prétendre à un arrêt de travail que j'ai envie d'appeler préventif. Donc c'est un arrêt de travail pour éviter que ces personnes qui sont donc fragiles, vulnérables, ne contractent le virus et n'en développent une forme grave. Donc on a 4 catégories de personnes, les personnes atteintes d'un cancer évolutif sous traitement, les personnes qui souffrent d'une immunodépression congénitale ou acquise, les personnes de plus de 65 ans avec un diabète associé à une obésité ou à des complications micro ou macrovasculaires, et les personnes dialysées ou souffrant d'une insuffisance rénale chronique sévère. Donc là, c'est vraiment la liste exhaustive des situations dans lesquelles vous pouvez effectivement établir soit un certificat d'isolement pour les personnes qui sont salariées de droit privé, ce qui leur donnera le droit derrière effectivement au dispositif d'activité partielle, ou soit un arrêt de travail pour les autres catégories. Et donc là, c'est effectivement le médecin qui réalise ce certificat d'isolement ou cet arrêt de travail. On voulait aussi souligner sur ces situations que, contrairement aux dispositifs précédents, les personnes qui habitent avec une personne qui répond à cette définition de personne vulnérable n'ont plus le droit aujourd'hui à un dispositif d'arrêt de travail. Alors ensuite, la situation des personnes qui sont positives. Donc les personnes positives, c'est bien lorsqu'on a une confirmation via un test RT-PCR positif de l'infection au Covid. Donc ces personnes, qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques, peuvent bien sûr bénéficier d'un arrêt de travail avec une durée qui a été fixée aujourd'hui à 7 jours après le début des symptômes, sachant que cette durée peut évidemment être prolongée si les symptômes n'ont pas disparu au bout des 7 jours. Et de 7 jours après la date du prélèvement pour les patients qui sont asymptomatiques. Dans cette condition, bien sûr, si le télétravail n'est pas possible pour ces personnes.
Donc, j'ai reprécisé la situation des enfants. Lorsqu'il y a un enfant qui est testé positif, le médecin peut donc délivrer un arrêt de travail pour le parent ou le responsable légal qui va en assurer la garde si ce parent, si l'un des deux parents ne peut pas télétravailler. Donc là, effectivement, cet arrêt de travail, il est établi par le médecin ou à défaut par les équipes de l'assurance maladie. Alors ensuite, c'est la situation des cas contacts. Donc le cas contact qui est toute personne que l'assurance maladie a identifiée dans le cadre du contact tracing. J'insiste bien par cette identification par l'assurance maladie parce que on entend parfois des personnes dire « je suis cas contact, je connais une personne positive », mais le cas contact, c'est vraiment la personne que nous avons identifiée et qui a été appelée par l'assurance maladie. Ces personnes-là peuvent bénéficier d'un arrêt de travail de 7 jours en cas d'impossibilité de télétravail également pour pouvoir être isolées et réaliser le test, sachant que cette durée peut éventuellement aussi évoluer en fonction du résultat du test ou de l'apparition de symptômes. J'ai remis le sujet des enfants, puisque dans la situation des enfants, si un enfant est cas contact, on va entrer dans le cadre scolaire. On a deux dispositifs qu'on a rappelés juste précédemment. Donc si le parent est salarié de droit privé ou droit public, on va lui faire parvenir un courrier qui va valoir justificatif auprès de son employeur et qui lui permettra donc de disposer des dispositifs d'activité partielle. On a ensuite les parents non salariés qui, eux, vont pouvoir faire une déclaration, une demande sur le site Déclare Amélie ou Déclare MSA pour obtenir un arrêt de travail avec également une durée de 7 jours. Et donc, j'ai juste reprécisé également sur la réalisation du test, puisque le cas contact, je vous le disais, va lui-même réaliser un test pour voir s'il est finalement positif ou non. Un cas contact qui a des symptômes est invité à réaliser son test tout de suite, de la même façon qu'une personne qui habite sous le même qui habite sous le même toit qu'un cas positif. Et en revanche, on teste à J7 du dernier contact avec la personne positive pour toute personne qui est asymptomatique. Et puis pour terminer, la gestion des suspicions de Covid j'ai envie de dire, donc c'est ce qu'on appelle les cas possibles, donc une personne qui vient voir le médecin avec des signes cliniques qui sont évocateurs du Covid, mais pour lequel vous n'avez pas au départ de tests et de résultats. Pour tout patient, vous pouvez effectivement établir un arrêt de travail puisque cette personne est malade, a des symptômes et sa situation justifie qu'elle soit en arrêt maladie. En revanche, pour les enfants, tant qu'il n'y a pas de test positif, le parent ne peut pas bénéficier d'un arrêt de travail au titre du Covid. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez simplement faire une attestation mentionnant que l'enfant a besoin de la présence de son parent et ça sera aux parents de faire valoir des droits éventuels auprès de son employeur. Donc voilà l'ensemble des dispositifs qui existent aujourd'hui et donc les différentes situations que vous pouvez rencontrer. Alors juste pour terminer, deux chiffres qui me semblent importants pour vous, c'est de savoir que depuis le 11 mai que nous avons démarré l'activité de contact tracing, c'est près de 2300 patients avec un test positif qui ont été contactés par l'assurance maladie sur le département de la Marne et plus de 7100 cas contacts, ce qui fait que depuis le 11 mai, c'est à peu près 9500 personnes de la Marne qui ont été contactées dans le cadre du dispositif de contact tracing. Donc, à partir de maintenant, on est présent collectivement pour pouvoir répondre à vos questions, vos interrogations, vos observations. J'avoue que la question est suffisamment laconique pour qu'on ne puisse pas répondre. La place de la maison médicale payée 75 000 euros par an, à mon sens, c'est la maison médicale de garde de Reims qu'on a financée l'année dernière
Cette maison médicale de garde, qui, je le rappelle, à Reims, s'est installée près des urgences du CHU. Sa vocation, elle est essentiellement d'éviter un passage inadéquat d'urgence non médicale vers le service des urgences. Après, bien évidemment, si des personnes font appel à des médecins de cette maison médicale, c'est normalement pour des urgences médicales qui ne relèvent pas nécessairement d'une prise en charge hospitalière. Le lien avec le Covid, c'est pas un centre Covid, la maison médicale de garde qui est près des urgences de Reims. Le système habituel, c'est quand même de passer par son médecin traitant dès lors qu'on a des symptômes de Covid. Voilà, je crois que. Mais c'est vrai que la question est posée de manière tellement abrupte qu'on a bien de la peine à pouvoir répondre au-delà de ce que je viens de dire. Si le prix semble fort pour 75 000 euros qui a été consenti et alloué par l'ARS à ce mode de fonctionnement d'une maison médicale de garde, je pense qu'il faut aussi mettre en perspective tout ce que ça permet en termes de travail collaboratif entre les médecins libéraux et les services d'urgence, dont on sait très bien que très souvent, ils sont mal utilisés par les patients. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a de l'éducation des patients à faire derrière. Les médecins de garde reçoivent les patients ayant besoin de soins aux horaires de PDSA, Covid ou pas. Voilà, c'est ça. Voilà, ça doit être le docteur Blateau qui répond. Ça aurait pu être le docteur Kadiyogo, le président de l'AGUR. En tous les cas, pour nous, c'est un exemple d'une parfaite collaboration entre la médecine libérale et le système hospitalier. Et on n'a qu'un souhait pour nous, ARS, c'est que ce mode de collaboration puisse se développer, se diffuser et s'aimer, parce que ça a vraiment du sens. On aimerait bien savoir si d'autres professionnels de santé, hein, puisqu'on rappelle qu'au départ, certes, on voulait travailler avec les médecins libéraux et au-delà des médecins libéraux, j'allais dire l'ensemble de la communauté médicale, hein, peu nous chaud, nous, que les médecins aient un statut de libéraux, de salariés. On voulait aussi pouvoir toucher des professionnels de santé paramédicaux, genre infirmiers ou autres, donc... Si d'autres questions se posent ou d'autres observations se font jour, c'est le moment ou jamais de nous les poser collectivement, hein, puisque on avait été intéressé par un certain nombre de questionnements qui nous étaient parvenus en préparation de cette réunion aujourd'hui. Donc, si un enfant a un test réalisé... La démarche perso des parents dont les résultats ont été obtenus 7 jours après et donc n'a pas été isolé, il y a un intérêt à... Oui, normalement, les... Alors, si on comprend bien le sens de la question, c'est il y a dans la stratégie des tests... un sens de priorisation, c'est-à-dire que effectivement dans les priorités, c'est les gens qui sont symptomatiques et qui vont voir leur médecin traitant qui ont une ordonnance pour passer prioritairement. Voilà. Après, si un enfant a un test réalisé, ta démarche perso des parents.
Moi, ce que j'entends de la question, c'est si un enfant a été testé positif, il y a une démarche personnelle, que le résultat est obtenu 7 jours après et qu'il n'a pas été isolé pendant cette période, y a-t-il un intérêt à le tester à nouveau et l'isoler ? Je réagis à chaud à la question. Ce qui m'interpelle dans la lecture, c'est quand une personne fait un test, elle est isolée en général en attendant le résultat du test. Et donc, par précaution, justement, elle est isolée. Donc, c'est justement cet isolement entre le test et son résultat qui a permis d'éviter des contaminations. Après, si à J7, il y a lieu de se poser la question de refaire un test ou pas, j'ai envie de dire, en fonction du cas, il faudrait en savoir un petit peu plus. Et c'est le médecin qui déterminera si la situation nécessite de refaire un test. Voilà, et notamment si des symptômes sont toujours présents. La présentation était très claire. Ben, merci à tous les participants. C'est vrai qu'on avait voulu pouvoir travailler en amont. Et j'en profite pour remercier nos collègues, aussi bien Éducation nationale que Direct et CEPAM, parce qu'on savait qu'un certain nombre de préoccupations concernaient tout ce qui était certificat, arrêt maladie. Mais bien évidemment, vous pouvez élargir les questionnements que vous vous posez. Alors, il y a une question complémentaire sur les tests PCR, s'ils sont réalisés au-delà de 7 jours après le début des symptômes, est-ce qu'il y a un intérêt à le déclarer sur AmeliPro ? La déclaration sur AmeliPro, c'est si le test est positif, puisque c'est à partir de là qu'on va enclencher l'activité d'échange avec le patient qui est positif et pour identifier les cas contacts. Donc effectivement, même si on est au-delà des 7 jours après le début des symptômes, parce que malheureusement, en fonction des endroits et des dates de réalisation des tests, parfois il faut attendre plusieurs jours avant d'avoir le résultat, on peut parfois être dans la situation d'être au-delà de 7 jours, mais dans ce cas, il faut bien sûr que le médecin qui a l'information du test positif, le saisissent dans l'outil AmeliPro développé par l'assurance maladie pour que derrière, nous puissions, même si c'est avec un décalage, faire ce travail d'information du patient zéro et surtout de l'identification des cas contacts. Autre question, et là j'avoue que je vais être un peu gêné parce que je ne suis pas médecin et je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'exercice illégal en médecine. À partir de quel âge peut-on envisager de faire un test chez les enfants et ceux sans danger ? Je vais tenter de dire que ça, c'est à l'appréciation souveraine et clinique du médecin traitant. Et je pense que, voilà, moi, je n'ai pas de réponse formelle à faire par rapport à ça, parce que je ne suis pas médecin. Il paraît essentiel de rappeler l'importance de la priorisation. Alors, justement, l'importance de la priorisation, je rappelle, et on a fait une affiche qu'on a diffusée dans tous nos réseaux. Donc, les différents cas. D'abord, le premier cas de priorisation, c'est les personnes qui sont adressées par leur médecin avec une ordonnance. Je rappelle quand même que les médecins sont le pivot du système de santé français, et on l'a bien vu, et on exprime à travers ce YouTube Live tous nos remerciements aux médecins libéraux, parce que je pense que notre système de santé en février, mars, avril aurait pu succomber s'il n'avait pas été là. Donc, hommage appuyé d'abord à nos médecins libéraux. Ensuite, deuxième catégorie, c'est les personnes qui présentent les symptômes du Covid-19. Bon, là aussi, je ne suis pas médecin, mais les symptômes les plus habituels, et une fois encore, je me garderai bien de faire l'exercice illégal à médecine, c'est quand même de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, perte de goût et perte d'odorat, et grande fatigue de manière générale. Hein. Je reprends ce que la littérature scientifique produit. Donc, la troisième catégorie des personnes, c'est les personnes qui sont désignées comme cas contact par l'ARS ou par la CEPAM, hein, l'assurance maladie, dans le cadre du contact tracing, ça a été évoqué. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les professionnels de santé et de manière plus générale, les intervenants
à domicile qui sont au contact des personnes fragiles, vulnérables. Donc, dans cette dernière catégorie, on met par exemple les aides à domicile qui interviennent, c'est du ressort essentiellement du conseil départemental, vers le domicile des personnes âgées. Voilà les quatre grandes catégories. Et c'est vrai que ça permet justement de ne plus risquer d'avoir des délais trop longs entre le moment où le test est réalisé et le moment où le résultat est communiqué. Peut-être rappeler que cette affiche sur la priorisation a été envoyée vraiment dans tout le réseau, dans les URPS, au Conseil de l'Ordre, enfin les Conseils de l'Ordre, hein, j'allais dire, aussi bien infirmiers que médicaux, et puis tous les réseaux d'ordre généraux qui mobilisent les professionnels de santé. Les tests salivaires vont être remboursés. Qu'en doit-on privilégier chez les enfants? C'est pas facile, mais doit-on toujours préférer PCR? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Les tests salivaires, pour l'instant, on n'en a pas. Les seuls tests dont on nous parle, c'est les tests antigéniques qui sont un système colorimétrique, c'est-à-dire un peu comme les tests de grossesse pour ces dames qui changent de couleur. Certains médecins de l'ARS nous disent que le taux de fiabilité est quand même moindre que celui des PCR. Et ce qui nous est dit, en tous les cas, sur les tests antigéniques, c'est qu'ils doivent être privilégiés pour des opérations concernant les personnes asymptomatiques. Et j'allais dire qu'une personne asymptomatique qui serait testée positive en test antigénique, donc on vous cure aussi la fosse rhinopharyngée, et ensuite on le met sur ce système qui permet de voir si la couleur change. Si le test est positif, de toute façon, il faudra faire un test PCR derrière. Voilà, donc ça, c'était la première des choses. Ce qu'on peut dire sur les tests PCR, c'est que leur degré de fiabilité, il a augmenté. Au début, où on en a mis en œuvre, ils étaient de l'ordre de 70-80%. Le laboratoire Bioxa nous a confirmé que maintenant, le degré de fiabilité est de l'ordre de 90%. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ces différents tests. Mais c'est vrai que les tests salivaires, beaucoup en parlent. Pour l'instant, on n'a pas d'instruction particulière chez nous à l'ARS. Je ne sais pas si du côté assurance maladie, vous avez plus de précisions, Philippe. Non, pas sur les tests salivaires, même si on sait que la stratégie au niveau national est en cours de définition justement sur les modalités d'utilisation. Par contre, ce qui est important de rappeler, effectivement, c'est que pour pouvoir déclencher le tracing et donc l'identification, la confirmation qu'un patient est infecté de la COVID-19 et donc la recherche de cas contacts derrière, nécessite encore à ce jour qu'il y ait un test PCR positif. Donc ça rejoint ce que disait à l'instant Thierry Alibert, il y a besoin d'une confirmation par un test PCR en cas de premier test positif, pour que derrière, s'il y a un autre test positif par PCR, à ce moment-là, la personne soit vraiment considérée comme infectée par la COVID-19 et donc qu'on puisse démarrer le tracing. Je rebondis aussi parce que tout à l'heure, quand Claire Guémard, l'assurance maladie, a présenté le niveau 3 qui relève de l'ARS, pardon, pour les clusters. Alors les clusters, hein, c'est les foyers infectieux dès lors que vous avez plus de 3 personnes qui sont contaminées dans un même espace-temps, l'ARS organise très souvent des tests massifs PCR pour justement empêcher que dans un milieu, hors milieu éducatif, prison, milieu, j'allais dire, professionnel, il y ait une extension et une propagation du virus. Alors, un patient qui consulte après 6 jours de symptômes, sachant qu'il n'aura pas le résultat avant le 7e jour de symptômes et qu'il retourne travailler avant d'avoir les résultats, on teste.
Je me permets de rebondir sur la question. En tout cas, le message qui est donné aujourd'hui, c'est que dès l'apparition des premiers symptômes, on invite toutes les personnes à consulter leur médecin traitant. Donc malheureusement, je pense que dans les faits, vous rencontrez des personnes qui vous sollicitent avec des symptômes qui sont déjà un peu plus anciens. Mais en tout cas, le premier message à faire passer, c'est bien celui d'aller très vite et donc de consulter son médecin dès l'apparition des premiers symptômes. Après, quand je vois cette question, même si les symptômes sont apparus il y a 6 jours, la recommandation des autorités sanitaires, c'est de faire un test, même s'il aurait été préférable de le faire plus tôt. Et à réception des résultats, bien entendu, il faut les enregistrer et on réalisera aussi le contact tracing. Alors, je rebondis sur ce que dit Claire, parce que la saison va s'y prêter de plus en plus. On est début octobre. Il est fortement quand même recommandé à ce que les personnes, pour éviter tout risque, se fassent vacciner, en tous les cas qu'on sait des personnes vulnérables ou fragiles, se fassent vacciner contre la grippe pour éviter que justement il y ait une confusion entre les symptômes Covid et les symptômes grippaux. Hein, ça, c'est des recommandations qu'on vient d'avoir sur la stratégie de prévention de la grippe, mais c'est directement aussi corrélé avec le risque de confusion entre symptômes grippaux et symptômes de la COVID-19. Alors, notre gardienne des horloges et du temps nous indique qu'il serait bientôt temps de conclure. En tous les cas, moi, je vous remercie à tous et à toutes, même si je ne vous vois pas, mais je sais que vous devez être suffisamment nombreux. Et l'expérience prouve qu'on aura tout intérêt à vous tenir au courant régulièrement. Et je voulais encore remercier vivement à la fois ma collègue Zdenka pour la directe, Florent Rochdy pour l'éducation nationale, Philippe Ullmann et Claire Guémard pour l'assurance maladie. On est la démonstration vivante qu'on travaille en bonne intelligence les uns et les autres et qu'on essaye de trouver des solutions sur mesure. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours une préférence pour le sur-mesure que sur le prêt-à-porter. Merci à tous et bonne soirée. Et encore un grand merci pour votre implication.